se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour présenter le tout nouveau DLC Biker. Donc il s'intitule Moto, Bobo et Boulot. Donc là vous voyez que je suis avec un nouveau véhicule de ce DLC. Donc je sais que je le présente un petit peu en retard, mais bon, j'espère que c'est pas trop grave. J'essaie de vous montrer encore plus de détails que ce qu'on vous a montré. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a un nouveau site, enfin un nouveau entre guillemets. Donc il faut aller dans Maze Bank of Los Santos. Hop là, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a, donc tout ce que vous pouvez acheter comme QG de motard. Donc voilà. Donc ça peut aller de 200 000 jusqu'à 500 000. Donc j'arrondis, hein, de 200 000 à 500 000. Voilà, donc 495 000 dollars. Donc ça c'est beaucoup, c'est clair, mais bon. Voilà, après c'est clair qu'ils sont vraiment stylés, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dedans. Donc là, donc j'apprends celui à 495 000 dollars, qui est vraiment beau. Hop là, donc je vous montre celui à 412 000, donc je sais pas si ça change beaucoup, mais voilà, j'ai pris le plus cher. Donc personnellement, je vais prendre la sixième image qui était très belle. Enfin, après, vous prenez celle que vous voulez. Hop là, donc j'ai pas pris l'image la plus chère, hein. Ça a rien de prendre, moi j'ai pris ce qui me plaisait. Enfin, ce qu'elle est un peu dans le truc de motard, quoi. Donc voilà, donc là je vous montre un peu toutes les décos qu'on peut. Donc voilà, moi j'ai pris celui-ci en rouge. Parce qu'il faut savoir que j'adore le rouge. Donc dans la prochaine vidéo que je vous ferai, donc sera sûrement avec les véhicules qui durent, je crois que la vidéo dure 16 minutes, hein, donc elle est assez longue. J'ai essayé de la raccourcir à 6 minutes, donc je vais me débrouiller. Bref, donc voilà, donc là je vais mettre beaucoup de rouge pour la customisation des véhicules, quoi. Donc voilà. Donc pour voir que déjà pour le style c'est 400 000, la fresque 112 000 dollars et j'ai pas compté en plus le QG, donc je n'avais pour une blinde. Donc ah non, personnellement j'ai pris mon emblème à moi, même si c'est pas le plus beau, je l'avoue, je trouve que c'est pas très beau sur le mur, mais bon, voilà, j'ai pris quand même celui-ci. Après comme nom du club, donc là je vous ai fait un petit avancé, donc là parce qu'en fait c'était assez long. Donc j'ai mis juste phase motard, donc voilà, parce que c'était assez long autrement, enfin voilà. Donc j'ai essayé assez longtemps. Hop là, donc voilà. Ensuite on va passer à l'armurerie. Hop là, donc vous pouvez voir qu'on peut ajouter une armurerie, donc ça c'est cool. Donc le nom, je me trompais, je l'ai appelé Club Face et que je le fais en off parce que le micro a pas marché quand j'ai fait la vidéo. Enfin voilà. Donc le total c'est 1 857 000 dollars. Donc ça c'est cher. Donc voilà. Donc c'est tout pour le QG. Moi je vous dis à tout de suite. Donc je vais faire une petite pause juste pour vous montrer quand je vais dans le QG. Donc là je vous ai laissé la conversation avec Malk. Et donc là donc.
là vous avez pu découvrir le QG, donc il était assez beau. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement il est très très beau. Donc il vaut peut-être pas les 1 800 000, mais voilà. En fait c'est, il considère ça comme une autre maison, donc personnellement je le considère aussi comme une autre maison. Parce que vous avez 10 places, enfin voilà, plus un ordinateur et tout ça. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour la suite de ce DLC.